Je pense que si je suis ici aujourd'hui, c'est parce que je suis une femme et que j'ai une petite fille qui s'appelle Lucie, à qui je tiens vraiment très fort. Et je tiens très fort à toutes les petites filles que je vois. Et je pense que je suis profondément ici pour notre descendance. Et ce que j'ai envie d'aborder aujourd'hui, ce sont les saints. Faire parler les saints sur tous ces domaines-là, ben c'est une psychanalyse en fait. C'est une psychanalyse rapide qui nous conduit là où on a des gros nœuds dans notre vie. Et moi, j'aime conduire les personnes là où elles ont des gros nœuds pour pouvoir ensuite aller travailler avec d'autres personnes, pour pouvoir aller dénouer ces nœuds et pouvoir laisser le voile partir, c'est-à-dire se dévoiler. Mais c'est aussi ne pas se voiler la face, pouvoir regarder son ombre en face, plus avoir peur de son ombre. Parce que quand on connaît son ombre, on sait ce qu'elle va nous amener. Et donc, ça devient un jeu. Un jeu de « je passe l'épreuve, je sais ce que tu vas m'amener, ta-ta-ta, je t'ai vu, répétition dans ma vie, et je saute l'obstacle ». Ce qui me touche quand je travaille avec ces femmes qui m'ont tout appris en fait, qui m'ont tout appris parce qu'elles m'ont appris à devenir féminine. Elles m'ont appris à devenir féminine dans l'écoute de moi-même. La première chose qu'elles me disaient, c'est « je suis fatiguée et je vais pouvoir me reposer ». Et donc, j'en profite pour vous dire, reposez-vous maintenant. Ça, c'est l'acte psychomagique par excellence. Osez dire, sans cancer du sein, dans votre famille, eh bien, je suis fatiguée, je vais me mettre un petit peu dans mon divan. Et je vais me reposer, je vais me faire du bien. Et j'ai appris, j'ai commencé à apprendre à faire ça. Elle me disait aussi, j'ai du temps pour mettre de l'ordre chez moi. Bien, de nouveau, dans les moments cataclysmiques, la prévention, c'est quand on a une tête qui va dans tous les sens, c'est de se dire, je m'arrête, je mets de l'ordre, je trie mes tiroirs, je me fais un nettoyage de printemps, je laisse couler tout ce que je n'ai plus besoin, je donne, j'offre, et je remets de l'amour, de la lumière dans mon nid. Les nids des femmes,